on trouve que les jeunes prennent des armes aujourd'hui à cause des chômages, des manques de quoi faire. Donc, ce projet a occupé plus de 700 jeunes. Et je suis en train de les appeler toujours de venir. Parce que le moyen dont ils cherchent, ils ne vont pas chercher encore dans la brousse. Donc, nous faisons la fête, quoi, de la remise des projets de culture et transformation de maïs à Nyakounde. C'est un projet, c'est un grand projet. D'ailleurs, ça joue, je dirais, sur tous les plans. Sur les plans nutritifs, sur les plans économiques, sur les plans de développement. En tout cas, ça a beaucoup contribué. La MONUSCO va partir demain. Et nous, comment nous allons faire progresser cette activité, ce projet? Alors, nous avons fait beaucoup de réunions. Nous avons disponibilisé même la terre à ces jeunes pour qu'ils travaillent et produisent des maïs et même des mains. Le maïs que vous voyez là-bas, c'est un maïs qui vient de Chiniakilima. Là où jadis personne ne pouvait accéder, là où on disait qu'il y avait la violence, voilà aujourd'hui c'est du maïs qui vient de là. On ne vient plus pour parler de la violence. On vient pour parler du développement.